Bonjour à tous, début de séance en hausse en bourse de Paris dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques. Et dans l'actualité ce matin, Havas qui a fait état d'une solide croissance organique au premier semestre, aidé par la baisse de l'euro et sa croissance en Amérique du Nord et en Europe, de quoi conforter le groupe dans l'atteinte de ses objectifs annuels. Bolloré, de son côté, a publié un résultat net qui a presque triplé au premier semestre, grâce notamment aux dividendes reçus de Vivendi. On jettera un œil aussi à Accor, alors que les analystes de Crédit Suisse ont relevé leurs conseils sur la valeur ce matin de sous-performance à neutre. Et notre gros plan ce matin sur Hermès qui a annoncé hier soir un résultat opérationnel en hausse de 20% au premier semestre à 748 millions d'euros. La rentabilité opérationnelle atteint 32,5% des ventes sur la période. Le groupe de luxe confirme son objectif moyen terme de progression du chiffre d'affaires à taux de change constant de l'ordre de 8%. Il confirme dans le même temps que sa rentabilité opérationnelle en 2015 devrait être inférieure à celle de 2014 en raison des effets de change. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à midi.